Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec finalement une bien belle séance hein, comme je vous l'annonçais ce matin. On a eu donc une ouverture sur un gap haussier, il n'y a eu quasiment aucune tentative de comblement de ce gap. Là où il y a deux jours je vous signalais ici le franchissement de cette zone horizontale des 5390 points sur un gap haussier, eh bien on franchit la prochaine zone, hein, la zone des 5449 qui était identifiée, ainsi que la zone ici des 5443 sur un nouveau gap haussier, donc gap de continuité. On revient ici au contact de la bande de Bollinger supérieure et au terme donc de cette séance fortement haussière, eh bien le CAC 40 gagne 0,84% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc il s'agit effectivement d'une séance de confirmation. On avait observé hein, le retour ici des cours avec le franchissement des zones clés qui pouvaient valider la poursuite de ce mouvement. Je vous disais que s'il y avait un nouveau plus haut significatif par rapport ici à ces 5443 points, eh bien on validait la poursuite du mouvement. C'est désormais chose faite, donc on confirme la possibilité d'une poursuite du mouvement haussier avec donc ces nouveaux plus hauts significatifs. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avions des indicateurs qui étaient haussiers, et bien c'est confirmé puisque nous avons un MACD qui continue à évoluer à la hausse. À noter que nous repassons ici dans la zone supérieure d'évolution de cet indicateur alors que les cours viennent d'inscrire un nouveau plus haut significatif, donc c'est dire ici le potentiel que nous offre cet indicateur, alors que le RSI et bien rentre à peine ici dans sa zone de surachat, donc c'est dire qu'on n'est pas du tout dans une configuration excessive. Et d'ailleurs si l'on revient ici sur les cours, eh bien nous avons une configuration qui touche à peine ici la bande de Bollinger supérieure, donc on est vraiment ici sur un premier contact. Et si on prend exemple avec la précédente phase de hausse ici que nous avions, ou suite justement à la cassure de ces précédents points hauts significatifs, on était venu au contact ici de la bande de Bollinger supérieure, eh bien on avait continué hein, dans une configuration similaire à inscrire de nouveaux plus hauts significatifs sur les séances suivantes. Donc ce n'est pas du tout, on n'est pas du tout sur un excès, on est sur un signal de poursuite ici du mouvement haussier. Nous pouvons noter que les volumes sont dans la moyenne des séances précédentes, donc on a des signaux techniques qui plaident pour une poursuite du mouvement haussier. C'est très très clair ici sur cette phase. Donc par rapport à la configuration que nous avons auparavant, on va pouvoir faire le ménage dans certains tracés, notamment ici sur le retracement de Fibonacci qui a été dépassé. Donc on est bien ici sur une impulsion qui a été consolidée sur le retracement des 23,6% et qui reprend ici le cours de sa progression. Alors par contre, par rapport ici à ce retracement de Fibonacci appliqué sur la phase de consolidation, eh bien, ça ne vous a pas échappé qu'elle nous définit un objectif. Eh bien, cet objectif, il est désormais le prochain objectif ici de la suite de la dynamique, à savoir 5585,62. Mais nous avons ici une zone majeure à 5532 qui correspond à, une zone majeure d'un point de vue moyen terme. Alors si on revient ici sur une vue un peu plus éclatée de ce CAC 40, voilà, nous avons la zone ici des 5248 points qui correspondait ici au support de cette zone de range que le CAC 40 a occupé pendant quelques mois durant l'année dernière. Et malgré ici un point haut qui se situait proche des 5651 points, on avait ici validé la zone hein, que je vous présente des 5532 points comme zone ici de résistance majeure liée justement à ce trend hein, que nous avions eu et qui avait duré donc quelques mois. Et bien c'est dans cette zone que l'on est revenu, puisque depuis que l'on y est rentré, on peut remarquer ici les cours donc qui rentrent, qui cherchent à tester une fois, deux fois cette zone de support et donc qui valide une poursuite du mouvement ici vers la résistance. Donc il est possible que l'on réintègre ici cette zone, et si on venait à casser la zone des 5532 points à la hausse, là le signal moyen terme serait encore plus important. Pour l'instant on est vraiment de retour à l'intérieur ici de cette zone, et le fait que on continue à monter et qu'on continue à inscrire des gaps haussiers non comblé, bien montre que l'on est potentiellement en train de réinvestir ici cette zone d'évolution. Donc par rapport à ce que nous avions, je voulais aussi vous montrer
un autre tracé qui concerne le CAC 40 Global Return. Alors j'ai des questions à la dernière fois que j'ai parlé du CAC 40 GR. Alors GR pour Global Return, tout simplement, il nous renvoie l'évolution du CAC 40 si l'on réintègre tous les dividendes qui ont été versés donc durant toute la durée d'existence de cet indice. Et je vous avais tracé ici une zone de résistance oblique qui définissait justement la tendance dans laquelle nous étions, et nous voyons que sur ici le Global Return, qui n'est pas justement perturbé par ce retrait des dividendes, eh bien nous avions des points relativement bien alignés. Et lors de la séance d'hier, eh bien on avait encore une attaque de cette résistance. Et ce qui est intéressant, c'est que là où on a observé le franchissement du précédent point haut significatif, là on franchit ici cette résistance oblique baissière après un petit rebond sur un gap haussier. Donc le signal est très intéressant puisqu'il rejoint le moyen et le long terme. Donc cette séance, hein, qui n'a l'air de rien puisqu'elle est marquée de très peu de conviction, techniquement elle a énormément d'importance puisqu'elle se recoupe sur plusieurs tracés de plusieurs sous-jacents différents. Le CAC 40 Global Return est tout de même quelque peu différent du CAC 40 Cash, qui est lui capitalisé d'une manière différente. Alors si on revient maintenant sur le CAC 40, on a ici des niveaux, la zone des 5449 points qui est en train de s'imposer en tant que support. Et tant que cela sera le cas, on aura le gap haussier ici qui vient en renfort, qui nous permettra de valider une possible poursuite donc du mouvement haussier vers la prochaine zone majeure des 5532 points, avec une attaque ponctuelle ici qui pourrait venir chercher l'extension de Fibonacci sur la précédente phase de consolidation à 5585 points 62. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique, c'est que les cours vont rester haussiers tant que l'on ne revient pas d'une manière trop dynamique ici sur cette zone des 5449 et sur le gap haussier qui a été marqué aujourd'hui. Alors, du point de vue des statistiques, on a une statistique qui reste haussière, et ce donc malgré l'inscription de nouveaux points hauts significatifs, du contact ici avec la bolle supérieure et du gap haussier. Donc la probabilité, elle est haussière, et la conviction est assez marquée puisque selon cette configuration, on est à 83% de probabilité haussière à partir du niveau d'ouverture pour demain. Alors attention, ce n'est qu'une statistique, et cette statistique repose sur un nombre d'occurrences assez peu élevé, donc ne pas mettre trop de poids sur cette statistique malgré le chiffre relativement fort qui nous est indiqué. Mais cette statistique, elle est confirmée au-delà de la prochaine séance puisque les chiffres restent haussiers pour les 5 prochaines séances à partir du niveau d'ouverture de demain. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. Je vous souhaite donc une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès demain pour la suite de la formation donc trading algorithmique et pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.